Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Borderlands 3 les amis, et on se retrouve pour la suite de notre petite aventure. Du coup, on devait, je sais plus trop où aller, oui, on devait entrer, voilà, dans la station Apollyon. Alors, voyons voir un petit peu, on en était où niveau stuff, et tout. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué les amis, donc je vous avoue que je sais plus du tout où on était. Allez, ça c'est fait, ça c'est quoi ça? Très rare. C'est une mitra de niveau 17. Ok, donc faut attendre que j'ai débloqué le quatrième. Ok, niveau quête, on en est où? Ok, allez, ben go, on va faire ça là. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que nous réserve. Hop, donc on va essayer de... Les amis, de finir aussi ce jeu. Là, pour vous donner une ordre d'idée, au moment où je tourne cet épisode, on est le 2 mars. Et du coup, hier soir, j'ai fini Star Wars en tournage. Donc, il ne sera peut-être pas sur la chaîne au moment où vous verrez cet épisode-là. De ce Borderland-là. Mais du coup, voilà. Je préférais dire, voilà, j'ai envie de finir un maximum de jeux que j'ai déjà commencé sur la chaîne. Pour justement être tranquille après et pouvoir attaquer plein de nouveaux jeux, plein de nouveaux trucs, etc. Et surtout, continuer les séries tout en faisant plein d'autres vidéos. Donc voilà, je les tourne en avant, je sais pas quand elles sortiront. Hop. Allez, meurs. C'est pas simple là. Faut bien fouiller, c'est un Borderland les gars, donc on va avoir besoin de l'argent. Ah, je suis mort. Je suis mort. Waouh, ça fait très longtemps que j'ai pas joué les amis. J'ai foncé en mode bas les couilles. C'est pas la bonne technique visiblement. Allez. Il faut qu'on y aille. Et on va essayer de les défoncer cette fois-ci. J'ai l'impression de faire, mais... zéro dégâts, quoi. Ah oui, voilà.
Shit. Je protège la famille. Ha, tu vas mourir. Ne souffrez pas, mes frères. Alors, il est où, Boum. Ça chauffe par ici. Faut se trouver une meilleure arme, vraiment. Ok, donc avant d'aller foncer là-bas, on va fouiller. Déjà pour refaire le plein de munitions. Et aussi pour voir s'il n'y a pas des armes. Et ben voilà. Parce qu'il va nous falloir des armes là. Parce que ça commence à être un peu critique, les amis. Dans le sens où c'est un peu éclaté les armes qu'on a, quoi. Hein. Alors. Voir s'il n'y a pas un petit peu des trucs là pour. Voilà. On va checker avec ça. Il n'y a pas d'armes. C'est quoi les gars? Je vais faire une ellipse le temps que je ramasse toute la zone. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Re les amis. Donc j'ai tout fouillé. C'est bon. On peut aller dans la station à Apollyon. Donc j'avais pas grand chose. J'ai chopé quelques armes. Mais vraiment nul, donc pas fou. La station Apollyon vous accueille comme un vieil ami. Salut poto. Alors, ça roule? J'éclate tout sur mon passage. Monsieur la Lune, parlez-moi du ciel. On a fait une pause. Il m'en faut plus. Allez. Je suis pas un gamin, bordel. Allez. Allez. Je la vois. La grande arche. Les armes sont à nous. Fallait faire mieux que ça, pauvre naze. Allez, hop. Mange. Mange. On va
un peu. Mange. Mais ouais. Et là, les gars, c'est qui le patron? On prend les sous. Outsider 2002. Oh, j'ai loupé. Eh oui. Oh. Fais un petit peu le tour pour voir si on a rien oublié. Tac 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 tac. Tac tac. Allez, allez, allez. C'est bon, allez, go, on continue. Essayez une navette de transport privé. Lâchez des caisses en toute tranquillité. Ok, c'est pas un argument de vente. Station Apollyon, pour enfumer le wagon rien que par le cul. Ok. Faites-vous polir le cul par nos professionnels de l'arrêt. Nouvelle arme. Une bazooka. Une bazooka, les amis. Alors, oui, on va. Ici le docteur Z. Je vends des boucliers, des modes et la sérénité. Et des bouts de cervelle, si jamais vous en voulez. Oh, c'est pour moi. Fallait pas, voyons. Ok. C'est ma dernière offre. Oh, et ben d'accord. Attends, faut que je regarde, les gars, si c'est mieux que moi ou pas. Fait combien, moi? Dégâts 124. Attends, déjà ça. C'est un skin. Sont très bons, mais carrément trop nul. Ok. Hop, hop, et hop. Je garde que ça, parce que ça pourrait me servir. Allez, bon courage. On a quoi acheter ? Putain, il a l'air pas mal, le bouclier, là. Restez en vie grâce à ce machin. Les médecins le détestent. Enfin, les vrais, en tout cas. Okay.
Je crois qu'on va les mettre. Je suis désolé, hein, je prends un petit peu de temps, les amis. Voilà, comme ça, on va le vendre. Hop. Pour l'instant, j'ai des balles avec ton nom dessus. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ton argent est toujours le bienvenu. Tu sais où me trouver. Allez, let's go. À la prose, une bande de trous de balles. Il est recommandé au passager. Ça piétine, mais ça brille. La route est chez moi. C'est inné. Ça nous manquait un peu d'action. Je ne vis que pour ça. T'as vu? Que merci j'ai. Hop, toi t'es mort. En fait, il est trop bien ce pompe parce qu'il peut altérer justement entre le mode radioactif. Donc ce mode là qui est en soi très utile contre les personnes avec de la chair, et le mode corrosif qui est très utile contre les personnes qui globalement utile contre les mecs avec des armures. Du coup ça peut être vachement pratique, genre les robots ou quoi. La souffrance n'est pas complète. On n'est pas à la piscine. Mais faire bouffer mon plomb. Encore un clap-trap écrasé sous les lois pardonnables de l'industrie. Le dos brisé sous le poids du monde qui comprime ses épaules. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre d'eux? Trop choupi dans les bras. Un accessoire d'antenne pour mon nouvel ami. Formidable. Ça, c'est un brutal en plus celui-là. Hop, ça, ça c'est fait. Ouais, hop. Mais non, mais pourquoi ça me met, ça m'a changé la mission? Voilà, c'est celle-là. Pas pourquoi ça me change la mission comme ça, là, c'est chiant. Donne-moi des sous. Ouais, après, le but, les gars, voilà, c'est ça. Hein, Borderlands, c'est un FPS RPG, les gars, donc faut s'améliorer, quoi. Des gardiens. Ils protègent les arches contre les fous qui cherchent à les ouvrir. Ils seront pas contents de nous voir. Faut bien regarder hein les gars qui est tout.
Eh ben, ça me fait une belle jambe. Ok. Pas grand chose d'intéressant. Peut-être une coffre, peut-être quelque chose. Ouais, il y a des coffres. Après ma découverte de la première arche, Atlas m'a envoyé dans tous les recoins de Prométhée. Mais franchement, j'en ai jamais trouvé d'autres. Au bout d'un moment, hop, celui-là il est validé aussi. De la muni. Hey, merci à Yoshi. Wow. Bon labo au passage. Ça se déguste comme un bon vin vieilli en fût de chêne. Mange. Mange. J'utilise que le pompe les gars parce que du coup c'est des bestioles à chair et vous avez vu c'est sacrément efficace du coup je me casse pas trop la tête. Bon là on va essayer de foncer un peu à la quête, on va essayer de faire des épisodes à peu près 30 minutes les amis. Voilà. Ou peut-être des fois plus, je sais pas, je vais pas essayer de me restreindre trop. De toute façon les let's play c'est fait pour ceux que ça intéresse réellement. Donc ceux qui sont intéressés de toute façon ils regarderont et puis voilà. Ben, c'était du sport, hein. On va prendre ça. Allez, tac, 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 et c'est parti, les amis. The Forgotten Basilica. Alors, tan, tan, tan. Comme ça, on va sauvegarder. Bon, eh bien, on va devoir se débrouiller. Merci. Je garde ça sous le coude si jamais je tombe à court d'anesthésiant. Ok, ok, on a fini. Quand on se fait trouer la panse, Dr. Z répare les offenses. Fichez-moi le camp d'ici. J'ai des balles avec ton nom dessus. Enfin, pardon, c'est pas ce que... Waouh. J'aurais jamais cru entrer dans... Attends, on va dépenser les points déjà. D'une nouvelle arche. Je suis pas fâché d'être venu. Putain, c'est stylé, hein. Tu penses? Prépare-toi. La créature que les Héridiens ont enfermée à l'intérieur de l'arche dormait depuis des millénaires. Ça m'étonnerait qu'elle se lève du bon pied. Je pense, ouais. Là, cette arche, c'est l'entrée. Place la clé dans le piédestal. On va voir ce que tu caches. C'est parti. Allez.
Petite cinématique, les amis. C'est ça, la créature. The Rampager. Ça tombe bien. Comme ça, j'ai mon titre de la vidéo. Hop. Voilà. Hop. Là-dedans. Il est blessé. Frappe-le avec tout ce que t'as. On va le passer en corrosif alors. Ah, attendez, hop. Il est pas très dur, mais il bouge beaucoup. Mange. C'est le moment. Vite des chargeurs sur lui. J'en ai plus aucun dégât. A plus. Tire sur ces machins. Je vais te couvrir comme une arche. C'est quoi, c'est Freezer le truc ou quoi là? J'espère que ça soutenait rien d'important. Bonne chance. Oh, comment il est stylé. Tu vas crever. Ce machin est en train de tout démolir. Putain, il est chaud en vrai, hein. Il est où? Merde, il est en train de tout détruire. Il est blessé. Frappe fort. C'est parti. Il est blessé. Frappe-le avec tout ce que t'as.
En vrai, il est pas tellement dur que ça, hein. Je sais pas ce que c'est, mais on ferait mieux de tirer dedans. Tu peux rien contre nous. Qu'est-ce qui lui arrive à ce truc? Putain, il est balèze, hein, quand même, hein. Il est pas très dur en soi, parce que vous avez vu, bon, je perds pas beaucoup de vie, rien, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais j'adore toutes ces transformations. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit, ce jeu, c'est une dinguerie de ouf. Et en le continuant en vidéo, en live, on le fait les deux, les gars, sur ce jeu. Je lance une grenade. Et mange. Yes! Oh putain de sa race, on l'a défoncé. Arche chassée. C'était une vraie démonstration de brutasserie. Sérieusement, yeah, bravo. On l'a défoncé. Putain, c'était trop génial! Ah mais il y a trop de loot. Ava, je t'avais dit d'attendre sur le vaisseau. C'est trop dangereux ici. Mais moi, je voulais voir une arche en vrai. Oh merde, regarde ça. Ava, t'es pas encore chasseur de l'arche. C'est plus compliqué que de foncer tête baissée vers le danger. Ouais, ok. Écoute, tu devrais entrer. Prends ton temps. Je dois avoir une petite discussion avec mon apprenti. Okay. Pluie de butin pour la brutasse. C'est insane, c'était insane, c'était trop bien. Peut-être même 200 ans. Ava, il faut qu'on parle. Ouais. Je ne plaisante pas. Ouais, je sais, c'est clair. Allez, go. Ne touche à rien. Entrez dans l'arche. Non, tu te fais des idées. Chasseur de l'arche, vous m'entendez? Pas de panique, je teste simplement un nouvel appareil de communication basé sur les pouvoirs de Lilith. Il semblerait que les... Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. La carte des arches ne nous a pas conduits ici pour rien. Cet appareil doit avoir son importance. Je vais pouvoir éclater ça. Oh, oh, oh. Il y en a le 3 quarts que je vais revendre parce que ça me servira pas. Mais oh, ça fait plaisir. Fascinant. Cette arche est liée à une autre par un ancien conduit énergétique. Ses coordonnées sont celles d'Eden 6. Chasseur de l'arche, nous avons notre destination suivante.
Récupérez Maya et son élève Trublion et revenez au vaisseau. Mais non. Je peux pas vendre, putain. Oh là 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 là, mais non, attends. Hop, ça pendant tu dis verrouillé. En vrai, ça on s'en fout. Il faut vraiment que j'achète de la place. Hein. Du coup, j'ai 3 places. Du coup, on va prendre forcément. Ça, c'est au 346, 157, 230. Il est là. 264. Et parce que c'est pas forcément la rareté qui fait le prix. Hein. Vous voyez, celui derrière vaut 233 et celui-là 157. Pourtant, il est bleu. En rareté, il est plus haut. Mais pas le niveau, en fait. Et pas la, le prix. Hop, voilà. Ah, du coup, j'ai pu piller un petit peu, mais pas trop. Ah, y a quoi derrière ce tas de cailloux? Ouh, attends, si partout il y a de l'iridium, on va prendre, hein. L'iridium, en vrai, dans le jeu, je sais pas trop à quoi il sert. Je m'en rappelle plus. Faut que je regarde. Parce que j'en ai 345. Je sais que dans Borderlands 2 et tout, ça servait à augmenter justement la capacité quand tu... des munitions, augmenter ton inventaire, etc. Mais dans celui-là, je sais absolument pas à quoi ça sert. Faut que je regarde. Du coup, on va en profiter, on va tout péter, hein. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc attends. On m'a dit retournez voir. Je suppose qu'il faut que je refasse par là. Donc là, on va retourner voir Maya et après on va stopper l'épisode là. En tout cas, maintenant je peux péter ça. Donc ça c'est cool. On va pouvoir avoir masse iridium et tout. Donc du coup, c'est pépère ça. En vrai, c'est quali. Hop, ouais, petite cinématique. J'essaie juste de te protéger. Comme ça, en m'abandonnant sur le vaisseau, t'as dit que je pourrais être chasseur de l'arche comme toi. T'avais promis. Mais oui. Quand tu seras prête. Salut les biatchs. Oh, Troy, regarde ce qu'ils nous ont laissé. Merci d'avoir fait le sale boulot. Merde, les rapaces sont vraiment le cerveau dans la gâchette. Bah, on va les démonter. Je sais pas pourquoi, mais je sens que elle va trahir son frère. Non.
C'est quoi? Genre, il y a un livre. Je croyais qu'il y avait que moi qui pouvait te nourrir. Faut croire que c'est... toutes les sirènes. Allez. On a eu ce qu'on voulait. Ouais. Et même plus que ça. Mais tu sais, si jamais ça se concrétise ton histoire de sirène. Ok. Donc du coup, une deuxième sirène de morte. Enfin, la première, elle a plus ses pouvoirs, donc... et l'autre, elle est carrément morte. Visiblement. Et pourquoi il y a un livre? Maya, elle est morte. Prenez la fille et revenez au vaisseau. Je vais... prévenir Lilith. Ha! Et comment on lui parle? Ah voilà. Elle est morte. Maya est morte. Allez, on peut pas rester ici. Retourner sur Sanctuary, parler à Lilith. Ok, Sanctuary. Ok, on va à Sanctuary. Et arrive à Sanctuary, après, hop, on va stopper la vidéo là. Parce qu'en vrai, elle est quand même assez longue là déjà. J'ai toujours du mal avec ce truc. Voyage éclair. Ok, on arrive à Sanctuary. C'est compliqué. Chaque fois, je galère avec ce truc. Hein. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je le trouve juste déter, le jeu. Ça, par exemple, les amis, c'est un jeu... Borderlands 3, c'est un jeu que je vais sûrement poncer à fond. Que ça soit en vidéo ou pendant les lives. Parce que je ferai sûrement des lives comme ça dessus, etc. J'en referai, parce que j'en ai déjà fait, mais j'en referai. On fera tout ce qui est quête, etc. Que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse de fou, ça. Oh, la musique et tout, tout est tellement bien sur ce jeu. Attends. Déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va faire ça. On va checker un petit peu les items qu'on a eu. Si ce merde, il est plus puissant le mien. Mais frère, on a eu que des pistolets ou quoi là? Bon, bah, visiblement, on n'a rien eu de mieux que ce qu'on avait. Putain, je suis tellement deg. Du coup, on va vendre. On a toujours besoin d'une nouvelle arme. Et ça, c'est celle que je garde. L'inventaire, ça vient. Mais rien ne vaut le cash. Ah, je parlerai jamais le skag. Ok, maintenant acheter, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouh! ~199 en dégâts, putain, il a l'air propre! Pourquoi je colle? Ah, j'aime pas quand je colle!
Attends, 38 en dégâts. Et il y a des armes pas mal là, en vrai. Déjà, lui, il m'intéresse de fou là. Le sniper à 199. Parce que c'est un petit bus, voilà pourquoi. Ah oui, celle-là, elle fait 22. Donc celui-là, je peux le revendre. Parce que à la place, je vais y foutre. Voilà, le 199. Voir comment il est. Oh ouais, en plus il est stylé. Très rare. C'est quoi? Ah c'est ça? Permet d'intégrer entre dégâts iridiens et dégâts incendiaires. Putain, ça peut être pas mal. Hein. En vrai, elle peut être sympa, mais putain, je sais pas. Ouh, attends. 51 x 2. Non, vous ferez pas ça. C'est compris? Elle a l'air vraiment bien. Vas-y. Je la teste. Je vais la tester. Parce que c'est vrai que celle que j'ai, elle est super bien, mais elle commence à être un peu. Elle a l'air pas mal. Écoute, je vais garder ça pour le moment. On verra ce que ça donne. Bon, et là, sac à dos, il faut combien? 27 000. Ah. Bon, bah tant pis. Et du coup, attends. Wesh. J'aimerais voir à quoi me servent les. C'est pas là. Ça, je voulais juste regarder vite fait, les amis, à quoi me sert les l'iradium. Parce que. Putain, il faut que je descende, merde, ils sont où ces fucking escaliers là? Là, voilà. Encore plus bas. On va descendre alors. D'accord, je peux acheter du stuff avec. Fin de la compétence d'action et de chargeur suivant un 50 de pour bonus. Et reviens que si tu comptes. Achète un truc, j'ai autre chose à foutre moi. D'accord, on peut acheter aussi des skins, d'accord. Et la ouais. Prochaine fois. Donc il y a du stuff et des skins. Ok, donc c'est super intéressant. Ok, donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est très long, je suis désolé, mais voilà, c'est un jeu quand même assez long, donc les épisodes seront assez conséquents. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit like, un petit abonnement, n'hésitez pas à lâcher aussi un petit commentaire. Et n'hésitez pas, si vous cherchez un Discord communautaire, à rejoindre le Discord de la Fatalis. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.